Alors, puisque vous êtes des mélomanes avertis, Véronique également, voici un défi qui va mettre en jeu des guitares. Mais c'est un défi un petit peu spécial, car quand je dis des guitares, il y en a mis le paquet. Il y a à peu près une centaine de guitaristes. Mesdames, messieurs, les voici! Une centaine de guitaristes menés par le chef, le patron de la guitare, Marcel Dadi, ce soir en personne. Bonsoir. Monsieur Dadi, ravi de vous voir. C'est Pascal Olmeta qui m'a remis ça pour toi, c'est pour mettre dans la corbeille, c'est son pantalon. Ah. Il l'offre, voilà. Et il l'a porté dans l'émission alors. Voilà. Bah, c'est très sympa. Vous voyez, je vous rappellerai l'adresse tout à l'heure. Merci. Ah, merci pour le cling. C'est pas... Bah alors, donc c'est très bien. Dites-moi, Marcel, excusez-moi, c'est... Elle est dédicacée, votre guitare, donc. Elle est très belle, hein, d'ailleurs. Merci, merci. C'est une guitare qui a été faite pour moi et dédicacée par Chet Atkins, qui est le pape de la guitare de Nashville. Et vous êtes le soupape. Guitariste. Je suis le soupape, merci. Excusez-moi, c'était facile. Ouais, non, je recommencerai plus à ce heure-là, c'est pas drôle. Mais c'est de leur faute, à eux, au départ. Moi, je voulais pas. Alors, ce sont des amis à vous. Voilà, ce sont des gens qui font partie de l'association Atkins Daddy, oui. Guitar Players Association, et on fait beaucoup de choses en France pour la guitare. Ouais. Et alors, comme ce sont des amis, ils ont décidé de vous lancer un pari. Voilà, voilà. On va essayer de, alors, de réussir ce soir. Alors, je vais l'expliquer à nos amis qui vont parier, Monsieur Chevalier, Monsieur Laspalès. Vous allez parier sur un défi complètement barjot. Vous voyez, c'est cette centaine de guitaristes, ils sont divisés en 10 groupes d'une dizaine de personnes environ. Et chaque groupe va jouer dans son coin une mélodie différente du groupe voisin, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il y a 10 mélodies différentes. Des trucs connus, hein, bien sûr, que tout le monde connaît. Mmh. Et là où ça se corse un petit peu, c'est qu'ils vont tous jouer ça en même temps. Ah oui, c'est ça. Oh, ça va être beau. Alors d'où cacophonie, forcément. Ça va être beau. Il y aura 10 groupes de rock voisins, c'est ça. Ah, c'est très... Ouais, bravo. C'est bien. Mais ça, oui. C'est bien. Mais c'est... Non, je dis bravo. C'est un peu comme dans mon immeuble quand tout le monde met la chaîne IFI en même temps, quoi. Non, logiquement, on s'en va au restaurant. Alors, la différence près, c'est que le monsieur que vous voyez là, avec son sourire extrêmement sympathique, avec la feuille légendaire qu'on lui prête, il a une oreille fantastique, il va y avoir 3 essais de 15 secondes chacun. 15 secondes où ça va être la cacophonie totale, où tout le monde, chaque groupe va jouer dans son coin, ça va être... incroyable. Et lui, il va avoir 3 fois 15 secondes pour retrouver les 10 mélodies, pour savoir ce qui se joue. Monsieur Chevalier. Quel que soit le respect et l'estime que j'ai pour Marcel Dadi, franchement, ça me paraît, pourtant je ne suis pas mélomane, je ne suis pas musicien, ça me paraît très difficile. Je suis d'accord avec vous. Moi aussi. Lui aussi. Non, moi je dis qu'il va y arriver. Bon, ben, on va voir. Votre cadeau, c'est un robot ménager, vous êtes gentil. Ben, c'est bien. Ben, oui, parce que ça sert à tout. Ouais. Alors, et puis ça débarrasse les placards. Ça fait du jus de fruits. Oui. Mais bon. Uniquement le okay. Jus. D'accord. Le mode d'emploi. Jette le reste. Le mode d'emploi est en japonais. Okay. Je sais pas. Bon, attention en tout cas. Bon, c'est très gentil de nous avoir apporté un cadeau comme ça. Merci beaucoup les gars. Bah, on a fait ce qu'on a pu. Bien. Alors maintenant, je pense qu'on va pouvoir commencer. Chez vous, la liste, vous l'avez vue, donc elle est affichée. Vous allez pouvoir jouer maintenant. Qui va faire la vaisselle demain? Eh bien, messieurs, vous êtes prêts? Messieurs, dames, pardon, vous êtes prêts? Oui. Alors attention. Premier essai de 15 secondes. Marcel, vous êtes prêt? Il ouais. Est... Ah, okay. Ouais. J'essaie de... Attention à mon signal. 3, 4. Stop. Premier essai de 15 secondes. C'est dingue, hein, c'est de la folie. Oui. Et on peut pas les diviser en deux groupes. Non. Attendez, non. Vous avez 3 essais, donc vous pouvez les dire au fur et à mesure. Alors on vous écoute, vous avez reconnu quelque chose? C'est infernal, quoi, là. Ah là, je suis d'accord. Moi, j'ai cru reconnaître un truc qui est un classique de la guitare, donc j'ai peu de chance de me tromper. Déjà, on va commencer par les trucs un peu sûrs. Allons-y. Il y a du guitare boogie dans l'air. Est-ce qu'il y a des... tempo, hein. Y a-t-il un groupe? Attendez. Vérification, y avait-il un... Oui, c'était eux, là-bas. Ouais, ça c'était facile. Bravo, Eda.
Attendez. J'ai une question. Est-ce que ceux qui ont joué Guitar Boogie vont arrêter de le jouer là? Non, pas ils du tout. Ils vont le rejouer, bah, bien sûr. Ça ne donne aucune chance, quoi. Vous en avez trouvé qu'un pour l'instant cet essai-là. Ouais. Okay. Il y a un autre titre que j'ai cru reconnaître, mais qui ressemble beaucoup, qui serait Lady Madonna, c'est-à-dire un peu le même. Y avait-il Lady Madonna? Allez-y, jouez-le. Oui, c'était eux là-bas. Vous les avez vus? Dans le public, on avait reconnu. Bande de menteurs. Marquer, c'est plus facile là-bas. Hein. Ouais. Bon, bravo, ça fait deux. On y retourne? Non, il en couvre encore un. Oui, il y en avait encore un. Non. On réécoute les suivants. Ouais. Je suis pas sûr, donc je vais réécouter. Bon, on va speeder un petit peu. Véronique, vous aviez découvert quelque chose, vous? Non, rien. Ouais, non,